Ça me fait trop bizarre de me retrouver à Lille parce que c'est là où j'avais tourné mes vlogs numéro 2 et numéro 3. C'était au mois de janvier, personne ne me connaissait, je faisais 100, 200 vues par jour et j'étais venu là pour démarrer l'aventure. Et là je reviens, 11 mois après, j'ai 155 000 abonnés et je me retrouve... Là on est un petit peu aux origines de mes vlogs quoi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, bienvenue à Lille. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et oui, je me retrouve à Lille. C'est aussi l'ambiance Noël ici, hein. Aussi les marchés de Noël, la grande roue sur la grande place, les petits chalets qui sont pas loin. It's Christmas, it's Christmas. D'ailleurs, puisqu'on parle de Noël, à la fin de ce vlog, j'appellerai en live le premier gagnant ou la première gagnante de mon concours, le Noël de Florian Honneur, pour vous offrir plein de cadeaux pendant toute cette période. Je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire, le formulaire est en barre d'infos. Vous le remplissez, vous mettez aussi votre numéro de téléphone. Je vous appelle peut-être et on verra quel cadeau sera gagné par qui tout à l'heure. J'ai un petit peu peur dans le train parce que je suis parti de Paris, il faisait super beau. Et d'un seul coup, j'étais dans le train, je regardais par la fenêtre, il faisait beau, voilà, normal. D'un seul coup, j'ai regardé juste 2 secondes mon portable. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre et là, le brouillard. La grisaille, on voyait plus rien. J'avais trop l'impression d'être dans le film là. Où d'un coup, vous voyez la limite et ça vous fait c'est le nord. D'un coup, il se met à pleuvoir. Mais non, non, non. En fait, là, il fait très froid, mais très beau. C'est plutôt sympa. Autant que je vais aller bien manger. J'ai rendez-vous avec 2 abonnés pour démarrer direct là, pour entrer directement dans le vif du sujet. Rendez-vous avec 2 abonnés. C'est un couple. Ils m'ont dit qu'ils adoraient un resto de fromage ici. On peut manger plein de spécialités au fromage. Tombe des spécialités du nord. Ils m'ont parlé d'un camembert pané. Et moi, je tenterais bien un Welsh. Vous connaissez le Welsh? Bref, on va étudier tout ça, on va se réunir, on va faire connaissance et on va voir ce qu'on mange. C'est parti. Et voilà, je viens d'arriver. Et heureusement, parce qu'il fait vraiment très très froid, j'ai retrouvé Antoine et Solène. Salut, salut. Comment vous allez les amis? Ça va. Donc vous êtes des Lillois, des vrais Lillois? Non. On vient de Picardie et on est ici à Lille pour les études. Ah d'accord, ouais. Donc juste pour combien de temps? Bah là moi encore 2 ans, toi 3 ans. 3 ans ouais. Études de quoi? Moi com, événementiel. Et moi commerce. D'accord, c'est bien. Bon bah ça fait plaisir. Ouais. Et donc vous êtes de bons mangeurs. C'est pour ça que vous regardez mes vidéos. Ouais, bah ouais. Et puis on aime bien l'enseigne, donc c'est pour ça aussi que voilà, on a décidé de te faire venir ici. Alors déjà j'ai vu quand tu m'as proposé que c'était un truc de cuisine au fromage. Ouais. Donc normalement ça partait bien. Vous m'avez envoyé des photos en plus pour me faire saliver. Ouais. D'un camembert pané? Ouais, c'est ça, camembert pané. Ah là là. Et puis sinon j'ai vu ouais, ils font aussi des trucs du coin, tout ça. C'est ça. Ouais. Ah, y a bah, tout ici. Le ouais, mieux c'est d'y aller plutôt que de grands discours. Allons-y. Remplissons nos assiettes. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah, ça fait du bien d'arriver au chaud. Ah. T'as fait le marché de Noël un petit peu? Non, j'ai rien fait, là, je suis arrivé il y a 20 minutes et je suis venu directement. Alors vous avez votre plat fétiche, donc vous m'en avez parlé, c'est le fameux camembert ouais. Pané. Donc vous ouvrez la carte juste, c'est une formalité parce que vous savez déjà ce que vous voulez en fait. Ouais, c'est soit Welsh, soit camembert, mais on sait ce qu'on va prendre ce midi, donc il n'y a pas de problème. Moi du coup, je vais prendre le Welsh, ouais. Parce que le Welsh c'est quand même la spécialité, l'une des spécialités du Nord. C'est ça, ouais, exactement. C'est quoi le Welsh en fait? Bah, le Welsh c'est une tartine imbibée de bière, une tartine panée, hein, de pain tout simplement, avec du jambon, du cheddar fondu, et puis un œuf royal par-dessus. Tout ce que j'aime. À part la bière, mais dans l'alimentation, ça passe. C'est parfumé à la bière. Ça passe très très bien. Et alors, depuis que vous buvez de la bière ou pas? Ouais. Vous en avez toujours bu? Toujours. Encore plus depuis que vous êtes à Lille. Surtout, ouais. Le Nord, la Belgique, franchement, la bière, vous adorez trop ça. Il y a plein de types de bières, donc puis ville étudiante, du coup, on a ce qu'il faut. Bien sûr, je dois préciser, à consommer avec modération, forcément. Ce que tu fais toujours. Oui. Ouais, ça va, bien ça comme ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Merci. Oh là 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 là. Oh là là, eh, ça sent trop bon. Ça c'est votre fameux camembert doré. Ouais, c'est ça, camembert doré, du coup, avec la confiture d'érelle.
les pommes de terre à l'ail, voilà, avec les petites tostinettes et la salade tout simplement. Et en fait, le camembert, alors, il a quoi de spécial ? Parce qu'on dit doré, mais c'est quoi ? C'est comme s'il était pané ? Une panure dessus, ouais, tout simplement, c'est ça. Et donc moi, mon Welsh, bah, t'as expliqué tout à l'heure, donc à la base, c'est du pain, imbibé de bière, avec du cheddar, de l'œuf, de jambon. Et une tranche de jambon aussi. Ok. Et avec ça, ils m'ont mis des petites pommes de terre à l'ail. Pommes de terre à l'ail, ouais. Très bonne haleine en perspective. Il est vivant, il est vivant. Il coule à flot. Ah ouais, c'est vrai, le tien il coule moins. Ah, faut presser. Bon, je vais goûter enfin mon Welsh après vous avoir regardé manger votre camembert. Déjà ça s'annonce bien parce qu'on m'avait dit que celui que j'avais pris il y a un an dans ce restaurant que moi j'avais bien aimé qui s'appelle La Chicorée, mais tous les Lillois m'ont dit non, faut pas aller là, tout ça. Les gens m'ont dit c'est le Welsh, c'est pas fait avec du vrai cheddar parce qu'il est trop jaune. Il paraît que quand c'est du vrai cheddar, faut que ce soit orange. Or là, c'est orange. Là on y est. Là déjà on y est. Là déjà le premier critère est rempli. Il est bon. Donc là, si on veut étudier vraiment comment c'est fait, on voit bien qu'il y a le jambon, le cheddar, le pain. Je veux bien accepter. Mais tout petit, hein, tout petit. Non, plus petit que ça, le camembert. Là, je te prive, hein. Va prendre mon Welsh alors. Là, c'est le mélange avec donc, le camembert doré, la confiture d'Erel, le pain. Hey, c'est délicieux. Même la confiture d'Erel, en fait, ça vient trop bien avec. Moi, je suis pas très mélangé avec des confitures, machin, tout ça. Mais là, c'est vrai que. En plus, il était bien coulant le tien. La panure, la confiture, le pain. Non, c'est trop bon. Bon, bah résultat des courses. Bon, déjà, un très très bon Welsh que je vous valide ici. Jugez plutôt. Voilà. Le camembert doré, le petit morceau que tu m'as fait goûter, était également délicieux. Et de ton côté, vérification de l'ardoise. C'est génial. Et Solène, elle va finir ou tu crois ? Elle va finir, On vous tient au courant, En tout cas, très bonne adresse. Ça s'appelle Le Broc, il y en a deux à Lille. Je vous mets les infos dans la barre d'infos, comme d'hab. Très bon plan. Merci les amis. On est sorti, on a bien mangé, on retourne dans le froid. On a bien fini nos assiettes, mais nous n'avons pas pris de dessert. Non, on n'a pas pris de dessert. Non, même moi, j'ai pas pu là. Pourtant, je sais pas, je comprends pas, ça doit être la salade hein, ouais, qu'il y avait à côté. Ouais, la salade, ouais. La salade m'a calé, du coup, j'ai pas pu prendre de dessert. C'est malin. Bref, très très bon plan, mes amis. Donc voilà, le Broc, restaurant de cuisine au fromage, c'était cool. Maintenant, je pense qu'une petite balade digestive s'impose. Hein. On va aller au marché de Noël. Vous y allez aussi ? Ah bah, on y va ensemble alors. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Dommage, j'ai pas tourné à temps, mais ce serait trop marrant si vous entendiez la conversation qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'on sort de table, on n'a plus faim, et toutes nos conversations portent sur ce que sont en train de manger les gens c'est autour ça, de ouais. nous. Ouais. Et elle a fait, c'est quoi ça ? Elle a quoi la dame ? C'est de la tartiflette ? Après lui, il passe fait, oh là là, regarde les donuts. Ah, faut voir, ils sont bien gros. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ça ouais, c'est regarde, du... ah ouais, ça. Ouais. Alors, chocolat blanc, chocolat ou fraise ? Et après, il y a les beignets, où je sais ce qu'on met dedans. Vous voulez un donut ? C'est ma tournée. Non, vous avez pas faim ? C'est sa tournée. Non mais jure, c'est sa tournée, profitez. Ah ouais. Ah, je veux bien un chocoladin, hein, s'il vous plaît. Et celui-là, au-dessus du rose, c'est... Au-dessus du rose, chocolat. Ça c'est chocolat avec des copeaux de chocolat blanc. Bon bah, chin de donut, hein. Allez, chin. Bon.
vrai que c'est bon chaud. Ouais. C'est ça aussi la magie de Noël. Bon, très sympa ce petit marché de Noël. Bon, il est petit, hein. C'est pas comme celui de Strasbourg, mais en même temps, il est petit, mais on trouve tout ce qu'il faut trouver. Hein. On a trouvé à manger. Hein. On a trouvé à manger. Ah bah oui. C'est essentiel. Sinon, il y a tout ce qu'il faut, les décorations, les bonnets de Noël, les trucs de crèche, et voilà. Et alors, puisque c'est Noël, c'est aujourd'hui que démarre le concours, le Noël de Florian On Air. Est-ce que vous êtes inscrit, vous? Pas encore. Ah, dommage, parce que là, t'imagines, ça aurait été super drôle. Là, je vais faire le tirage au sort dans un instant, je vais appeler quelqu'un. Imagine, c'est vous que j'aurais appelé alors que vous êtes juste à côté de moi. Ça aurait été rigolo. Ça aurait fait du buzz. On aurait cru que c'était truqué. Bref, on va se poser quelque part et puis bah, je vais appeler peut-être l'un ou l'une d'entre vous pour vous offrir le cadeau du jour. Allô Sonia ? Oui, ça va. Oui. Ah Sonia, alors je vous explique, j'ai commencé à composer le numéro et j'étais en train de filmer, ça s'est coupé, donc du coup on n'a pas le début. Mais bon, Sonia, c'est Florian, tu m'entends ? Oui, oui, ça y est, je t'entends. Bon, Sonia, tu faisais quoi là ? Eh ben écoute, ironie du sort, j'étais en train de regarder ta vidéo sur la cuisine malgache et comme ma mère vient de Madagascar, bah voilà, je connaissais tous les plats qu'elle était en train de manger, donc c'est assez rigolo quoi. Ah bah ça fait trop plaisir. Bah moi je suis à Lille donc, et je me suis dit tiens, je vais passer un petit coup de fil à Sonia, pas juste pour le plaisir, enfin si pour le plaisir, mais c'est parce qu'en fait je viens de tirer ton numéro de téléphone au sort, Sonia. D'accord, bah c'est la première fois que tu me tires au sort, donc ça me fait bizarre. Donc voilà, tu t'es inscrite au Noël de Florian On Air. Alors Sonia, tu as quel âge, tu habites où? Dis-moi tout. Alors j'ai 22 ans et j'habite dans la région parisienne en fait. Je prends régulièrement le RER pour aller faire mes cours là-bas. D'accord, et tu fais quoi? T'es en cours de quoi? Alors je fais des études d'illustration et de bande dessinée sur Paris, du pas loin de République en fait. D'accord. Voilà, art narratif, tout ça, voilà. Ok, bon, c'est comme ça, je sais tout. Donc tu t'es inscrite il y a quelques jours pour mon concours de Noël. C'est ça. Alors tu sais qu'il y a plein de trucs à gagner. La première étape c'est d'être tirée au sort. Donc toi t'es quand même la première à être tirée au sort. Donc voilà, ça me fait plaisir. Tu inaugures ce Noël de Florian On Air. Maintenant il faut voir ce que tu as gagné. Enfin ce que tu vas gagner. Pour cela, j'ai devant moi une chaussette. Voilà, une chaussette rouge, une chaussette de Noël. Voilà, tu verras quand tu verras la vidéo. Et dedans, il y a plein de cadeaux qui sont écrits. Au début, je voulais me trimballer avec tous les cadeaux, mais bon, là, pour Lille, c'est pas possible de me trimballer avec tous les cadeaux. Donc du coup, c'est des petits papiers avec écrit les noms des cadeaux. Je vais en choisir un au hasard et on verra ce que tu gagnes. Ça te va ? Pas de souci. Allez, on y va, c'est parti. Alors attends, je suis très très chargé là. Ne bouge pas. Je vais faire avec une main le tirage au sort. Ah, et l'autre, je filme. Là, j'ai un papier, je garde celui-là ou pas ? Allez. Ouais. Voilà. Bon, allez, c'est le destin en même temps. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, c'est des vieux papiers à l'arrache, hein, fait avec un carnet. Eh ben, c'est un resto avec moi ou sans moi, tu choisis. Oh, bah super, bah avec toi, encore mieux. Donc toi, t'habites où ? T'habites en région parisienne en plus ? Ah oui, parce que, alors je rappelle que si vous tombez sur un resto avec moi, ah bah il y a une fanfare, juste au moment où tu gagnes, il y a une fanfare derrière moi, c'est un truc de fou. Je t'ai même pas fait exprès. C'est énorme. Bref, oui, si vous tombez là-dessus pendant le concours, bah vous pourrez choisir, bon, soit avec moi, soit sans moi, hein, je veux pas m'imposer. Et puis ensuite, du coup, je viendrai dans votre région pour manger avec vous. Donc toi, c'est la région parisienne, donc du coup, j'ai pas besoin d'aller loin. Non, pas loin. Là, avec la fanfare, j'entends pas bien, mais on se calera ça bientôt, et puis du coup, on fera une petite vidéo dessus, d'accord? Ok, pas de soucis. Ah là là, t'es la première gagnante, Sonia, ça me fait plaisir. Ah, quel honneur. Bah, je te dis à bientôt alors. Ok, super, bah à bientôt. Ouais, ne quitte pas. Enfin, si, quitte, et puis bah, je te rappelle, genre, dans la semaine pour caler ça, d'accord? Ok, pas de soucis. A bientôt Sonia. À bientôt alors. Ciao. Bon bah voilà comment ça se passe le Noël de Florian On Air. Vous aussi inscrivez-vous, vous voyez que c'est pas du mytho. Sonia a été tirée au sort, c'est la première. Dans ma chaussette rouge, il y a plein d'autres cadeaux. Il y a des box de produits japonais, de produits américains, des box de bonbons, il y a des restos, il y a plein de trucs. Donc allez-y, inscrivez-vous, le formulaire d'inscription est dans la barre d'infos. D'ici là, t'es toujours là ou pas Sonia? Oui, je suis toujours là. Ah bah super, tu vas pouvoir m'aider à faire le final. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Ouais. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope. C'est bah, c'est Florian On Air aussi. Bah, Florian On Air. Ah voilà. À très vite. Ciao. À demain pour un nouvel épisode à Lille. Bye.